Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Geoffrey. Dans cette vidéo, je vais te présenter l'accueil Sport Nature, qui se déroulera au mois d'août. Avec moi, il y aura Matisse, Louane, Pierre et Louane, qui formeront à eux quatre l'équipe d'animation. Il y aura aussi les éducatrices sportives de la ville, qui viendront compléter notre programme d'animation. Toute l'équipe te proposera un très grand choix d'activités sportives, mais aussi des activités où tu pourras découvrir la nature. Tout ça se déroulera sur un site intéressant par rapport au thème, car on t'accueillera au stade de Gagné, qui se situe à côté du château de la Tour. Lors de l'accueil sport et nature, tu pourras faire plein d'activités et j'ai sélectionné quelques exemples à te présenter. Par exemple, tu pourras faire du VTT, de la pêche, une course d'orientation, mais aussi, comme je t'ai déjà dit, des activités de découverte de la nature qui nous entoure. Mais pas que ces activités-là, puisque cette année, on vous proposera de compléter ce programme avec vos propres idées, sachant qu'on vous prépare également des activités inédites pour créer notre propre jeu d'aventure. L'accueil sport nature fonctionne comme un accueil de loisirs. Tu pourras, si tu le souhaites, venir toute la journée, c'est-à-dire du matin jusqu'au soir, ou alors si tu préfères, venir seulement une demi-journée. Si tu souhaites venir dès le matin, je suis sûr que le vélobus va t'intéresser. Le vélobus, c'est quoi? C'est un trajet en vélo qui sera sécurisé et encadré par les animateurs et qui t'emmèneront directement au stade de Gagné. Il y aura deux départs possibles, le premier à La Chaulière et le second à La Frébaudière dans le bourg d'Orvault. Bien sûr, le vélobus propose aussi le retour tous les soirs. Si tu souhaites également participer aux journées complètes, il faudra absolument que tu penses à apporter ton pique-nique, car les repas ne seront pas fournis. Enfin, lors de l'accueil sport nature, on vous propose des nuits en bivouac. Lors de ces nuits en bivouac, tu vas pouvoir dormir avec tes amis dans des tentes que vous installerez vous-même. Bien sûr, l'équipe d'animation sera là pour vous donner un coup de main si vous en avez besoin. En résumé, si tu souhaites t'amuser, te défouler et profiter des vacances dans un lieu agréable, n'hésite pas à venir participer au Colorvo 2022.